Ouais. Salut à tous, c'est Micmas, je suis en compagnie de Snake Suisse. Salut. Pour commenter un combat épique entre la flottille de Mangaka et l'armée de Snake Suisse sur la gauche, qui envoie son Metal Gear Zeke, oh mon dieu, oui, sur les quatre chevaliers. Il a déjà détruit un char, c'est extraordinaire. Ah, mais il fallait commencer fort. Il est aux commandes de son Metal Gear Zeke. Et un hélicoptère lui envoie une bombe. Il le tue et une autre bombe. Et what? Il est mort. Non, ça c'est un problème. Et alors, se roquette de l'équipe adverse de Mangaka qui ne fait quasiment aucun dégât. L'équipe de Mangaka qui riposte avec des lance-roquettes. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est très peu efficace. Ouais, inefficace, c'est vraiment de la merde les lance-roquettes. Alors qu'il y a un soldat sur le champ de bataille, attendez, c'est extraordinaire. Il s'appelle Honeybee. Et il se fait désinguer, il y a un hélico au-dessus de lui. Alors que Snake Fist continue avec une attaque qui détruit un char à Mangaka. Des tirs de mitraillettes de 20 mm, 152 mm, des... oh là là, extraordinaire. Encore un hélico. Et maintenant c'est le deuxième hélico qui est détruit. Oh mon dieu. Ouais, ouais, quelle attaque. Les soldats du Fay sur le champ de bataille qui est détruit. Il ne reste plus qu'à son hélicoptère, va-t-il pouvoir s'en sortir? Le suspense est à son apogée. Et c'est une attaque du char qui détruit l'hélicoptère adverse. Oh mon dieu. Et c'est terminé, une victoire de Snake Suisse qui ne perd aucune. Déflagration totale pour Mangaka, défaite totale, tout ce que tu veux. C'est pas grave, suite au prochain épisode comme on dit. Salut Casa Ostromas, oui. Salut.